Alors, d'abord celle-ci et ensuite celle-là, déroulée à gauche. Tac. Je... Personne. Et les... 12. Deux crans de volet, on remet à zéro. Voilà, remet un cran. Cran, ok pour un la cran. Radio. La radio, 120.8, c'est ça. Ah, tiens, il y a un DR qui arrive. Bio, il y a encore trois fois vertical, 4300 pieds, intégration pour la 32. Hop là, il s'en va. Vent nul. Fox Bravo Victor, on roule pour le point d'attente de piste 32. Il commence à y avoir du monde qui arrive en fait. Ouais, parce qu'ils vont au restaurant de chaque côté là-bas, tu comprends? D'accord. C'est... Il est là, ouais, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais je sais pas où il était exactement. Bon, bah tout d'un coup, on se retrouve à plein de copains là. Ah, tiens. Donc la question c'est de savoir si on pourra décoller avant qu'il atterrisse. On va voir. Il dira sinon lui il se mettra juste en arrière, le temps que. Oui, ouais, à quel endroit il s'était annoncé, lui c'était annoncé. Ah, il était en vertical, il passait 4300. On devrait avoir le temps là. Ouais. On remontera pas la totalité. Ouais. De toute façon, elle, fait, elle était à combien? À 1000 des balais. Alors sur la 32, 1200 mètres. 1200 mètres? La 32, ouais. Bon, ça va alors. Bon, alors. Caméra 1. Bravo Victor, au point d'arrêt, on s'aligne et décolle 32. On tient qui trois fois, on vente arrière à 32. Alors un cran de volée, la pompe je sais pas où elle est. Allié, c'est bon. Volée à gauche, droite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, hop. Il est 15 ans. Donc, ouais. Ah, impeccable. Virage gauche comme ça. Voilà, faire un virage gauche là. Voilà. Tranquillou, n'inclinez pas trop. Voilà, ça y est, je suis installé, c'est bien. Voilà, là on peut rentrer les volets. Zéro. C'est parti. Pas de visuel sur l'appareil qui était en fin de. Ouais, il était en fait devant arrière, ouais. Là, il est pas à droite, ça c'est sûr. Ouais. Oh, il doit être à étape de base maintenant. Hein. Peut-être en finale. À 1200. Surtout regarder devant quoi. Hein. Ouais. Voilà. Non, on voit pas. C'est pas visuel. Ah non, c'est ah, si, ça y est, ouais. Là, y un oiseau et lui au-dessus. Ouais, ouais voilà. D'accord. Ouais, j'ai vu l'oiseau d'abord. Bio, il y a encore trois fois en finale, 32 points complets. Alors, on va suivre un petit peu l'autoroute là pour dégager le coin. D'accord. Et après, on prendra le cap 0,90 après. D'accord. Allez, les volets sont rentrés, je coupe la pompe, c'est bon. On est toujours, il nous reste 80 litres d'essence.
un quart, un demi, et on va la paroi est vidée. Voilà, on est bon. On est pas le milieu. On va rester 4, on va rester à 4000 pieds. 4000, ok. Ah ben tu vois là à peu près, là, à un quart d'heure près, je passe mes 7000 heures de vol. Ah oui. Ouais. Avec quoi? Oh là. Ouais. 7000 heures. Aujourd'hui. Ah ouais. Ah oui. Je suis pas prêt d'y arriver. Ah tu sais, ben parfois ça arrive. Ça va le faire quand même. Ah bah ben, oui. Hein. Ouais. Quand tu arrives, hein. Comme la Chani, on arrive dans cette route. Celle qui est juste en dessous là. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. D'accord. Hein. Bon, ben, on va suivre à peu près ça, nous. Hein. D'accord. Oui, ben ça doit être celle-là qui part. Bah oui, c'est ça. C'est pas celle-là. C'est Alvin. Hein. Ah ouais, bah oui, c'est celle-là. C'est Alvin de Vigan. Forcément, puisque quand on arrive de. Enfin, comme il dit. Ah oui, hein. On arrive de Vigan par là-bas. Voilà, ouais, de Vigan, ouais. Alors, 2450. Voilà, 2450. Voilà, l'avion bien compensé. Voilà, on est à 20, ok. On a l'assiette, presque. Alors, il y a 3 fois, je remonte la 32 pour le dégager au taxi. On touche plus, il va descendre un petit peu je pense là, ouais. On va couper les axes, c'est bon. Ok, au revoir Mio. Caméra 2, caméra 3. Et voilà. Donc on a dit qu'il était 15 ans. Et on part sur une nav à 18. Fox Bravo Victor, on quitte le circuit par le sud-est, cap 090, 4000 pieds, on quitte la fréquence. À Saint-Romain-de-Collière. Voilà. Alors, ça, c'est la route. Bon, tu vises la grosse montagne là-bas au fond, là. Hein? Ouais. Ah, je crois qu'on peut passer légèrement à gauche de la montagne, tu vois, dans ce col là-bas. La, celle qui est tout au fond là-bas. Ah, ouais, celle qui est à nos. 11h. Ouais, à peu près, ouais, 11h, ouais. D'accord, moi j'allais dire on vise celle qui est juste en face au premier plan, enfin juste en face au premier plan. Ouais, moi j'ai l'habitude de viser plus loin. D'accord, ouais. Ok, la grande au fond. Voilà, ben après bon, on corrigera plus ou moins s'il faut, hein, mais là, ouais. Là on est pas mal comme ça. Alors, je vais y envoyer un petit SMS, hein. On est stabilisé. Vas-y, je tiens le main si tu veux. Et tout à l'heure il cherchait, il nous attendait, voilà. Voilà, moi j'en ai envoyé à mon épouse pour lui dire que j'arrivais vers midi. Et par. Alors on va dire environ. Environ. Allez, je vais y mettre 13 minutes. Voilà. Très bien, le bazar fonctionne, voilà. C'est bon ? Quel merci. Bon. Je te remercie tout de suite avant d'oublier tout à l'heure d'avoir pu faire ce vol là. Ah bon, il y a pas de problème, hein. Non, mais, pas de soucis, hein. De bah, toute façon, si on reste au sud de cette route, on est en dessous du parc. Ouais. Oui. Alors, on a quoi là? Mio. Je suis en train de regarder la celle-là là. Ouais, non, c'est voilà, non. Ah, ici, ouais, on est là, ouais, ouais, non, il n'y a pas de soucis, ouais. Ouais, ouais. Ouais, là, c'est cette route en fait qu'on suit là. Ouais, c'est ça. Tiens, regarde, t'as vu le rapace là? Hein? Un beau rapace à gauche là. Ah, oui, oui, oui. Ah, mais là, il y en a des vautours par là, hein, ouais. Et là, il y en a même qui font les secousses comme ça. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est dès que tu passes près des reliefs, hein. Ah ouais. Alors, ils nous ont poussé la porte 200 pieds. Ouais, ouais, c'est dans les virés, bon. Alors, la montagne, c'est celle qui est là-bas. Et puis en plus, là, par là, c'est joli, parce que je me rappelle quand on roulait en voiture une fois, quand, enfin, il y a un an ou deux ans qu'on était venu en voiture, on est parti par là-bas, je me disais, ou en avion, ça doit être beau par ici. Ah ouais, 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 sûrement. Ah, voilà, tu vois. Bah, tu vois, ce pic, là, il est beau, là. Ouais. Il est vers le c'est départ. C'est ça, l'ingénie, là, je baisse le pointu qui parlait, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Baisse, c'est pas comment ça s'appelle, ça, ouais, je sais pas, ouais.
Je me rappelle de celui-ci, mais je sais plus, il y a une ville pas loin effectivement. Là, il y a une de ces deux aqueducs là. Oui. Il y a un saut, tu fais un saut à Nélastique. Ah, alors, je sais pas si c'est celui-là ou si c'est l'autre, je crois. Je dirais, vu le plus grand là-bas. C'est le plus grand. Au plus grand, ouais. Il n'a l'air pas très grand celui-là. Ouais, il n'est pas trop haut. L'autre est très plus haut. C'est là qu'il y a un truc de parapente de... touristique. Ça se joue pas grand aussi quand même, ouais. Il y a le zoom, mais ça doit être le village là. Ouais. Ouais, il y a... Après on voit la route qui descend sur le Ligal là-bas. Sorclière et Alzon après, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, alors je sais pas si c'est celui-ci, Sorclière ou Alzon. Bah, on peut le voir là-dessus peut-être. Hein. C'est derrière. Alors le but de la manœuvre, ça serait de trouver sans le bon collier. Il y a le zone parce qu'il y a un tunnel routier. Et la route ressort là-bas à gauche. D'accord. Ouais, moi je les ai pas de marqués sur la carte. Hein. Là tu vois. Alors, on est à 4 minutes du Vigan là. Oh, oui, on est pas loin. Hein. Ah. Ah ouais. Vigan, 3 à 4, tu vois. Même pas à 3 minutes maintenant. Ça va plus vite, campagnol, hein. Ah bah là, surtout ça peut traverser là, hein. Ouais. Parce que là, la petite route là, est de... Ah d'ailleurs, on voit le Vigan là, tu vois. Ouais. Alors, justement, le but ça serait de passer juste au sud du Vigan. Ensuite, d'aller vider ouais. cette maison. Ah d'accord, tu vas aller voir cette maison après, ouais, d'accord. Ah, c'est le village, ouais. Parce que mon oncle, mon autre oncle est là, qui s'habite. D'accord. Là, juste un petit peu à gauche, en avant de Saint-Ramon-de-Codière. À gauche ou à droite, attends. À gauche, juste avant en fait. Ah ouais, attends, moi je tiens toujours la carte comme ça. Ça. Oui, c'est mieux. Ouais, voilà. D'accord. Ici, toi, ils sont juste là, en avant à gauche, là. Ouais, ok, d'accord. Alors, on verra, de toute façon, ça fait une vallée comme ça qui remonte. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais, d'accord, il faut passer un peu au sud de deux, ouais, d'accord. Voilà. Et quoi, ça doit être le truc à gauche, là-bas, on dirait qu'il y a les tours. Tout à l'heure, vous voyez beaucoup mieux, dis donc. Ça, il semble plus bas que la bête là, mais... Ouais, mais le c'est celui-là, le Montégoal, ouais. Ah ouais. On voit le... C'est là-bas. Là-bas. Là où on voit les antennes. Ah oui, ça y est, on les voit les antennes, là-bas, d'accord. Je préfère ça. Ouais. Parce que si tout à l'heure on voyait les antennes et que maintenant on les voit plus... Embêtant. C'est qu'il y en a qui est passé un peu bas. Ouais. Alors c'est ça, c'est ce pointu là qu'on voyait. Ça dépasse pas 4500. Ouais, c'est celui-là le pointu là, ouais. Ah, ouais. Cette espèce de crête là, hein, ouais. On voit sous un angle différent là, hein. Ah, tout à fait, ouais. De toute façon, sans vraiment que dire, c'est un village qui est perché. Il y a une petite tour. Ouais, d'accord. Ah, c'est ça, il y a une petite tour, j'en rêve pas. Ouais, mais... Ah oui, c'est Romain, oui. Oui, mais enfin, il est perché, mais il est pas au sommet. Non, il est pas au sommet, donc on va voir de toute façon. Parce que du Vigan, quand même, il faut arriver jusqu'à Saint-Hippolyte, c'est loin, hein. Il devait être une trentaine de kilomètres, 20 ou... Non, une quinzaine de kilomètres, ou 20. Alors après, ouais. De toute façon, là, voilà. Après le Vigan, on va tourner un petit peu là... à gauche, de toute façon, hein. Ouais. Là, c'est le Vigan là-bas. Ouais, là c'est le Vigan là, ouais. Je vais voir ce que c'est joli. Ça doit être. Ouais, juste au dessus de ces montagnes qu'on voit là. Ouais, ouais. On se verse ça. Alors je ne sais pas si c'est le premier village ou l'autre. Ouais. Un des deux. Ouais. Donc là on a la ligne de crête comme ça là. Ouais. Et il doit être quelque part. Bon, regarde, de toute façon là ça fait un espèce de gros vallon de bord comme ça là. Ouais. Ça serait pas. C'est pas là. La montagne de la Lucette là. Ouais. Où il y a le machin d'André Chanson qui a. Le tombeau d'André Chanson. Et voir ce qu'il me dit mon SDVFR. Ça doit être la première fois, deuxième fois. Tu sais quoi, il est en rideau. Ah. Ah, il y a. Voilà. Ok, je le relance. C'est pas la première fois que je le vois passer en rideau comme ça. Oh oui, bah des fois on n'arrive pas à se connecter dessus, ouais.
sais pas pour quelle raison. Alors tu vois, moi je l'ai en marche et il est bien là, tu vois. Ouais. Difficile, hein, là. Un peu Vigo, là. Voilà, voilà, presque. Ouais. Voilà. Et là, les maisons dispersées. Ah, oui, ouais. Bon, c'est incroyable. Hein. L'habitat est dispersé, enfin. Ah oui. Le Vigan, il y a un gros doigt, ça fait dans les 3 minutes, à peine. 3 minutes, eh bah. Alors... Donc là, c'est montagne, la vallée, la on descend vers Saint-Hippolyte, là-bas. Comme tu veux. Ah non, non, c'est ça, là, je suis en train de faire le chemin à l'envers. Là, là, c'est Sumène, là. Sumène, il faut aller sur Sumène, hein. Voilà, justement. Donc à mon avis, tu vois, ils sont là-dedans, là, quelque part à gauche. Ouais, d'accord, ouais. Parce que t'as la route comme ça qui contourne, là, ils doivent être en dessous, là. Donc je dirais, en gros, on va là, ensuite on va à droite. Là-bas. Plus à droite, là-bas. Ouais. Ah non, plus à droite, là. Ah oui, d'accord. Difficile, hein. Pour survoler chez eux. Ouais. Ça, ça devient difficile, là. Alors, on va passer la rivière, là. Ça y est, il est revenu. Après, si tu es pas sur SD à OACI, si tu te mets sur les romans de Codire, ça serait pas... D'accord. Bah, le village, je sais pas, c'est dur, hein. Peut-être juste là. C'est pas évident, hein. Non, non, c'est pas évident, hein. Bon, là, c'est Sumène, c'est sûr. C'est la montagne qui est au-dessus de Saint-Hippolyte, ça. Ouais. D'accord. Alors le col serait là. Ouais. À mon avis, ils sont derrière, en dessous, là. Ils sont un peu en dessous, alors. À mon avis, ils sont juste en dessous, là. Ouais. Ils doivent être dans la partie... Ils sont dans la partie gauche, ici, là. Ouais, non, là. C'est pas évident, hein. Non, 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 c'est difficile à trouver, hein. Des fois, moi, je cherche sur SDOACI, je vais sur Google Maps et puis je cherche, tu vois. Puis je le pointe pour pouvoir y aller, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, on peut penser... Regarde, parce que t'as fait un village, quand même, qui est assez... Un village qui est peu perché, là, ouais. Un peu perché, là, tu vois, bien dégagé. Ouais. Avec une route, là. Là-bas, t'as le col. Et tiens, regarde, ça remonte que dire. À tous les coups, c'est ça. Hop, on descend. Voilà, là, j'ai pas de carte assez précise. Tu vois, ils sont, je pense qu'ils sont en dessous à gauche. Voilà, à gauche là, ce village là. Alors si tu regardes bien en face, là-bas au niveau du col, t'as à venir. Ah ouais, mais bien sûr. Lieu de Fox Yui 6R1, gentil circuit, on quitte la fréquence avant messieurs. On est à peu près, hein, je sais pas. Ouais, non, c'est ça, ils sont en dessous, ils sont juste en dessous, regarde. Remis au gauche, le couple là qui se passe. Non, c'est pas là. Ça fait 2 minutes pour un vol local. Je dirais plutôt juste celui qui est sous l'aile, là. Ils sont sous le gauche. Ouais, ouais, ouais. Sur l'avion, on approche. On va être sur le col, là. Là, il y a un col, là. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Ils sont sous l'aile, là. Ah, ils sont sous l'aile là, ouais. Ah, regarde, il y a la piscine. Ouais, il y a la petite route là, je la vois. Ah, ouais, c'est ça. Le virage gauche, faute 19 et visuel également. Et voilà. Donc il est 31. Et en dessous à droite là, on le verra pas, mais t'as Saint-Romain-de-Codière donc. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, je le vois là-bas. Ah, ouais, mais il n'y a pas de doute, hein. Ah, ouais. Il n'y a pas de doute, hein. On voit bien la route là. Ils sont à gauche maintenant derrière là. D'accord. C'est bien trouvé, alors on va passer un cap de l'oblique à gauche alors. À gauche là, ouais. Et ça doit être à l'est qui est par là-bas alors. Ouais, c'est à l'est là-bas, ouais. Voilà, enfin, le gros c'est le bon bouquet là-bas en fait, hein. Ouais. Le gros demain, oui. Ouais, tu remarques. On va prendre un petit peu là. On aperçoit Salendre, tu vois là-bas, la tache blanche. Oui, juste derrière le décrochement là. Voilà. Nickel. La tache blanche là.
Donc, à peu près prendre ce cap-là, un cap peut-être un petit peu plus à gauche, tu vois. D'accord. Ok, je vise le double mamelon là. Ouais. Oh là là. Là tu es pas mal, là on est à 10 minutes de Roson. 10 minutes de Roson. Ok. À 42. Combien? À 42. Non mais à minute. À 10 minutes. 10 minutes, ah oui, c'est pas loin. C'est à côté. Une heure et demie pour aller chez. Ah oh bah ouais, tu m'attends pas, ouais. Ouais. J'attends, ouais. Donc tu me diras, c'est sûr que même avec un mousquetaire, là, pour atterrir, faut être fort. Oui, c'est vrai. Faut être très très fort. Il nous fait une démonstration. À quel endroit? Je veux dire, c'est pas où on va chercher. Ah là, il vaut mieux pas tomber en panne, là. Hein. Non, là, c'est sûr. Là-bas. Ouais. Les athées, il est un peu loin quand même là. Ouais. Ils sont pas tout à fait sur les deux. Ouais, en dessous là, si, tiens. Alpha, ouais. Intérêt bien spiralé, vieux. C'est relatif, hein, là. Okay, là les hommes dispersés. Bon, Dieu, qu'il y en a. Il y en a des hommes dispersés, ouais. Oh là 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 là. C'est beau quand même, hein. T'as vu ça un peu? Ouais. Ah, ben ça fait la richesse de la France, ça, hein. Ouais. Ah, il est en face là-bas. Donc en fait, si tu veux dire coucou à quelqu'un, un bon point de repère, je dirais c'est une piscine. Parce que si les personnes se mettent juste à côté de la piscine, sur l'hélicoptère, oui, tu vois bien par rapport à la maison, oui. Ouais, d'accord, ouais. Parce que quand on est passé à Ozon, il disait qu'il s'était mis sur la terrasse, tu sais. Oui, d'accord. Sauf que moi j'avais vu la maison, mais bon, je voyais pas le détail terrasse, etc. Et puis pour pas qu'il y ait une partie à l'ombre ou un truc comme ça, c'est ça, voilà, ouais. Alors que là, la piscine, quand elle se détique bien en rectangle, ouais. Et que forcément les personnes qui sont visibles dessus. Bien sûr, c'est dégueu. Donc ça, c'est à l'est, à droite, là. À l'est. Et nous, on va tirer donc les gens à gauche. Tu peux, on va passer à gauche dans l'est. Et ce qu'on voit devant, c'est ça, là, voilà. Voilà. Et on va partir à peu près, encore un toit. Comme ça, tout droit, là, c'est pas mal, là, ouais. Voilà, comme ça, tout droit, là. Là, tu es pile poil sur Ozon. C'est vrai qu'il est extraordinaire le D-141. C'est à mon avis un des meilleurs avions au monde. Ouais. En toute objectivité. En toute objectivité, ouais, pas. Et de tous ceux que j'ai piloté, c'est celui que je préfère. Ouais. C'est vrai. Et au club, tout le monde est unanime de dire si on en conserve qu'un, c'est celui-là. C'est celui-là, d'accord. Il n'y a plus qu'à regarder le paysage, hein. Ben voilà, hein. Là, c'est l'Anduze, là. Oui. Enfin, il y a l'Anduze, ouais. Ouais. Anduze, ah oui, ouais. Avec le pont qui est en dessous, là. Oui, on reconnaît bien à la trachée que ça fait. Ouais, d'accord. Et la forêt de bambou, elle est à quel endroit, là, par rapport ici? Juste en dessous de vous, là. En dessous de nous, là. Ah, d'accord. Et vous voyez la route? Plus ou moins, oui. On est bon, un peu trop à la verticale pour le voir. Oui, ouais. Peut-être, oui. Ouais. 3-4 km d'Anduze, c'est pas ouais, d'accord. Ouais. Donc là, c'est le Gardon, là. Voilà, c'est un des Gardons, oui. Gardon d'Anduze, le Gardon de Saint-Jean. Ouais. Gardon de Mialet. Allez, deux fois que c'est passé au parking, j'ai quitté la 50 tout à l'heure. Donc si Alès est là. Là, alors. C'est cool, oh, pas là-bas, 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 là-bas. Je vois si c'est pas la petite butte qu'on voit à droite là. À 2h, 2h15. Oui, ça peut être ça, oui. Oui, je pense, oui. Même si ça fait avec pas que les hangars d'aéroclub, et puis comme il y a... Ah oui, on voit le... Ouais, il y a du relief devant, oui, c'est ça. Et on voit le bout de piste maintenant. On voit bien le bouquet là, j'ai l'impression. Ah, le bouquet là, ouais. Le bouquet là, avec les petites falaises sur la droite. Mon bouquet... Donc en gros, là on a Alès, la grande combe qui doit être à gauche. La grande combe là-haut, voilà. Ouais, donc on va tirer carrément sur la grande combe pour passer bien au nord d'Alès. Oh non, on va pas aller à grande combe. Pas comme ça. Non, pas comme ça. On passe sur le circuit là, de Paul 2000 là. Ah oui, d'accord. Comme ah oui, on fait clac, Paul 2000, comment... Donc Salindre avec ses usines là. Ouais. Oh ouais, non, mais là on tire droit. Hein. On descend peut-être. On peut commencer parce à descendre. Parce que sinon, là-haut on verra rien. Non mais... pour arriver aux ans, on va passer un petit peu
l'agglomération là et puis on descendra arriver sur la forêt à peu près là. D'accord, ok. Bon, il n'y a pas beaucoup à descendre, il y a 2000 à descendre. 2000, ouais. On va descendre, on est à 6 minutes. Donc ça fait 4 minutes. On arrive au-dessus, quoi. Ouais. Allez, ça c'est le fameux circuit d'alerte, devant là. Ah ouais. Circuit automobile, disons. Ah ouais, circuit automobile, ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je ne sais plus. Bon, là, c'est pas le pôle technique, un truc comme ça. Ouais, non, c'est ça, le pôle mécanique. Pôle mécanique, ouais. Ah oui. Ah, puis on voit bien les contreforts, on a du mal ouvert là. Ah bah ouais, hein. Voilà. Ouais, d'accord. Tout ça. Ah bah oui, voilà, Alex. Ouais. Ah. Vous voyez la Madone, juste dessous. La Madone, la Madone, la Madone. Ah, là, oui. Vous devez pas avoir la chapelle qui est en dessous. Ouais, ouais, je vois, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Ah bah tiens, regarde, là, un combi à gauche là. Ah bah le grand camp, c'est celui-là, voilà. On peut pas le louper. La plateforme, celui-là on peut pas le louper. Qui est ce terrain? Juste à gauche là. Tu vois l'herbe? On est à la forêt? Oui. Dans la forêt? Oui. Bah c'est ça. Ah c'est ça, d'accord. Vent arrière 19, point complet. Voilà, là on va se mettre en descente là. Bon. Voilà, tu vas réduire un petit peu, vers 2000 tours. Ça échauffe, hein? Oh non. Ah ben voilà la chapelle, je la vois là. Voilà, là, tout droit. Demi-tour. Dans 4 minutes, on est à Ozon. Ah, on peut commencer à le chercher. Il y a les deux mamelons ici. Ozon, il doit être juste en face là. Oh, on a le château d'Allègre là en face. À Ozon, c'est quelque part en dessous. On est à 500 pieds, c'est bien. Voilà. Il faudrait se décaler un peu sur la droite peut-être parce que... Ouais. Si tu vises le château... Ah non, je vise pas le château, je regarde à peu près où ça se trouve. Je vois pas où il est d'ailleurs. On voit les falaises juste en face de nous. Là, c'est les falaises du château d'Allègre. Ouais. Donc on va arriver par la gauche comme ça, et hop, ouais. on va prendre là. Donc on a toute la route qui descend là. Alors on va se prendre un petit 600 pieds. Hop là, 600 pieds. Ça c'est un lac de bout des usines de Salendre. Voilà, ouais. C'est ça, ouais. Pas très écologique. Ah, là, il y en a des maisons. Là, on a des maisons individuelles et des piscines. Piscine de... On voit bien la route, hein. Bon, donc on va arriver comme ça. Et on voit bien la route. Hein. Juste à gauche, là-bas. De piste 19. À 2200 pieds pour rejoindre l'avant arrière 19 pour un complet. Oh, la route est qui part à Ozon, on la voit bien, hein. Ouais. On la voit le chemin de fer. Puis le petit pont là qui a. Ah oui, d'accord. Tu vois le pont qui a jambes le chemin de fer, ben, ah, c'est le chemin. C'est la ligne tout en droite que tu vois. D'accord, on poursuit la route, Ozon est là-bas. D'accord, c'est celui qui sort derrière dans les forêts là. Voilà, après les prés verts. Ouais, c'est ça. On va être par là. On va pas arriver pile dessus, 3000 pieds. Ça va être Navacelle, Brouzé le premier peut-être, et Navacelle après. Et aux ordres un peu plus loin. Bon, regarde ton bouquet là, t'as vu ça un peu? Oui, ça va être un gros vol. Alors, bah tiens, on voit le... Ouais, bah Ozon, il est juste à gauche, là. T'as la route, là, qui passe, le virage à gauche avec le rond-point, et Ozon, il est juste derrière. Et on voit le truc de la minoterie, là, minoterie. À droite, juste en face. Ouais, d'accord, là-bas, ouais, on est passé. Et Ozon, il est juste à gauche, là, derrière le champ marron et vert. Ok, ouais. Tu vois? Et là, on a la petite colline, juste là.
2400 pieds, c'est bon, on va y arriver. Moins 700. Ah voilà, le rond-point des fumades. Voilà, ça a été repéré là. Ouais. La station thermale des fumades en bas. 2200 pieds, 2500 tours. Ah voilà, on voit le clocher. Donc on voit bien où on là. Ah, faut y venir, hein, tu finis par reconnaître. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein, le château du vieux repère. Voilà, juste en face de nous. Ouais. Le bouquet. On cuisine. Ça fait bronzer les AF. Là, il y en a la selle, là, un petit village, je vois pas. Hop là, 2000 pieds. Voilà, on va aller à droite, là. Une petite navacelle. Hein. Allez, admire bien parce que ça va être rapide, hein, quand même. Par contre, on va passer à 190. Là, voilà, juste à gauche, là. On accélérera après. Finalement c'est là où ça devient intéressant le pilotage. Ah ouais, c'est pas éveillé à la maison là, là. Ah bah elle arrive, les juste en gauche, juste en dessous à gauche. Ah il ouais. Y a du bleu. Tu vas la voir apparaître et disparaître. Là il y a la piscine, ça, si, ça y est, on la voit à gauche. Tu vois le, la maison de ton voisin là. Ah ouais. Tu la vois, ça y est. Hop là, 1800. Bon, on dépassera pas trop après. Non, sinon on rentre dans la vie, orange. Ah, tu vois, là, juste en dessous, la piste. Voilà, ça y est, tu vois, ouais, ça y est, je la vois. Ça y est, tu vois, elle est juste à gauche, là, voilà. Alors, 3 secondes, on passe vertical. Voilà, ça y est, elle va disparaître. Ah, là, là, ça y est, ouais. Allez, ça, c'est évident, on voit la bine et tout. Hop, là. Là aussi, ça fait agrandi. Et on se met à gauche. Voilà, on va à gauche, direction Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, là, par là, comme ça. Voilà. Alors, profite-en pour regarder. Voilà, profite pour regarder en même temps, là. Je vois mes escaliers. Ah bah t'as vu ça avant? Bah c'est pas étonnant que tu m'aies pas vu. Ah bah t'as compris hein. Allez, donc on prend 2400 tours. Voilà, on peut rester 2000 pieds hein. 2000 pieds, ah oui. Saint-Ambroise avec son... Voilà, Saint-Ambroise là-bas. Et puis... là on... 2450, voilà. Un peu à gauche là pour pas rentrer dans la pointe de la zone. Bon. Et voilà. Ah ouais. Ça t'a plu? Ah oui. On n'a pas regardé les cartes hein, quand on est en l'air. C'est... Ah oui, oui, oui. Non, quand tu regardes la carte, c'est évident, mais... Bon, il y a une grande ville là-bas. Ça avance vite. Ouais, Pessège. Pessège, voilà. Pessège, ouais. Ça avance vite. Hein. Ça avance vite, ça monte vite, c'est un truc de fou. Ouais, oui. Je dirais qu'on fait du surplace, mais... Donc Saint-Ambroise, ah ben voilà, c'est en dessous là. Saint-Ambroise là, ouais. Alors, on va le contourner par la gauche là. Ouais Michel, on était monté là où il y a l'antenne. Hein. L'antenne, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Regarde, regarde à gauche. Et Michel, il doit être juste en dessous là. Probablement, oui. Bah, regarde, t'as une piscine là. Ah, je regarde. Elle a juste une petite piscine. Ah, bah, trois piscines. Oui, tu l'as trouvé, il est là-dedans. Ah, ah oui, il y a une chemin de fer, ouais. Allez, ça y est, j'ai vu. Hey, t'as vu, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Voilà, ok. C'est le chemin qui descend, ouais, ouais. On n'a pas eu de vent d'altitude, là, Gérard. Comment? On n'a pas eu de vent d'altitude, là. Ah, non, pas eu de vent. Aujourd'hui, vraiment calme, hein. Non, non. Non. À la route, là. C'était dans les 5 nœuds annoncés, j'ai eu du mal à faire quelque chose. 5 nœuds, tu le sens pas, ouais. Ah, ouais, bah oui, hein. Ah, tiens, il y a des falaises en face, là-bas. Ouais. Quand ils allaient faire l'aspéro la dernière fois, c'était dans ces bois là. Ah d'accord. Attends que je... ouais. Quand tu aimerais le cruiser, c'est là. Juste là, à droite. Là, il y a la chapelle Sainte-Apolline. Ah oui, ah ok. Et là, le... Ah, je cherchais le nom Sainte-Apolline l'autre jour. Hein. Il y a la grotte de la Cocalière qui est... On va voir le carrefour là, par là. Ouais. Il y a la rampe. Ah ok, ça y est. Ah oui, oui, bon, enfin, il est juste là. Non, pas le premier, le second là, après le virage. Celui qui est là, c'est la descente là-bas. Tu vois là-bas? D'accord. Voilà, et la Cocalière, c'est juste à côté. Oh ben c'est juste à droite alors. Et d'ailleurs, comme on est là,
voyez bien, vous verrez peut-être la veine de la cocalière, mais je ne sais pas, c'est quand même un peu plus difficile à... Bah ouais, c'est pas évident à voir après les avions. Non, c'est pas évident. Que c'est chadouillé, ça, ça doit être chadouillé. Donc là, ouais, on va y passer dessus, juste dessus. Ouais. Et est-ce qu'on le verra? Je sais pas. Ah ben, si on est dessus, on le verra pas. Hein. Ah non, mais... C'est à côté. Ah, on a un Saint-Sauveur de Cruzière, puis le petit village, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. C'est chadouillé, non? Voilà, c'est ça. Là, on voit le chemin, là, non, on y est juste dessus, alors on le verra pas. On revoit le gros truc là, toute en longueur, là on était là-bas, on est passé par là-bas l'autre fois. Ouais, mais juste en dessus. À Transit de Cruzière, il est juste à droite alors là. Ouais, Saint-Sauveur de Cruzière, Saint-Sauveur de Cruzière, il est au bout de l'aile là. Ah, d'accord. Les Chadeliers, ouais. On est juste au-dessus là, de la côte partière et tout ça là. Il est juste en dessous. Oh, on voit le rocher de Saint-Zor, on est sauvé. Ah oui, c'est celui qui est là-bas, d'accord. Ouais. Ah bah donc c'est le chasse-zac qu'on voit alors là? Ouais. Ah oui. La plaine de Berrias là. Règle. Et Orion, c'est là-bas à 2h. Hein. Et il est 48. Et il est 48. Bah c'est pas le cerf de bar là-bas? Ouais, le cerf de bar. Ban. C'est uniforme, rebonjour. On approche répondeur. Ça c'est Ban. D'accord. Ban, ça ouais. Ok. Ban, Berrias. Berrias, c'est ça. C'est la longue ligne droite là. Voilà. Ah ouais, elle est en bas là. Bon radar. Et après c'est à Maisonneuve. Ouais, Maisonneuve. Après on est presque rendu. Ah ouais, on approche. À droite, Beaulieu. On va voir le Rhin Grodon. Le Rhin Grodon, ouais, on le voit pas. Il est là-bas, ouais. Voilà, il est là-bas. Donc, quand on est, on s'est arrêté comme un contemplant, on était dans cette partie des forêts. Ah, voilà, ouais. Ah, ouais. On s'est arrêté juste au sommet, là. Ça, le Rhin Grodon, il est un peu plus loin, là-bas, dans le château. Ouais, il est un peu plus bas, enfin, oui, plus en aval. Ouais, on le voit, là, il a la tête au soleil, là. Jean-Pierre, allez faire les titres, hein. D'accord. Sur le Mont Redon? Oui. Sur le Rhin Redon? Oui, le Rhin Redon. On peut y grimper là? Il faut faire un peu d'escalade. Hein. D'escalade un peu quand même, ouais, d'accord. Ouais. Maintenant, votre l'uniforme en finale 0 du pour un complet. Ah oui, on le voit. Celui qui se détache. Ah, je vois bien les... voilà. Les valses là-bas, ouais. Ouais, les vins au bout de l'aile. Ah, on a une belle vue sur là. Célibat, Autogir, Fox, Victor, Papa, actuellement verticale de l'autoroute, secteur S, 2500 pieds QNH. Rappel vertical dans 3 minutes pour une intégration. Oh, vraiment, ça va là? Ouais. Là, c'est plus grand que je l'aurais pensé, tu vois. Ah, en termes de surface de la, du village, ouais. Ouais, je vois ça parce que derrière... Tu as Orion, ce Pradon, tout ça, ça tient tout maintenant. Ouais. Oui, là-bas ce qu'on voit c'est le cirque de gens là. Le cirque de gens, tout à fait. Bah, donc là, la bombe elle arrive ici, juste à gauche. Alors. La bombe là devant. Ouais, là-bas. Là. Ouais. La voix. Ça peut aller Orion ça. Alors Orion, c'est de Fox Bravo Victor, bonjour. Tiens, les murs de pierre. Orion, c'est Fox Golfico Victor, mousquetaire 240. À l'ouest des installations, 2400 pieds, on rappelle les articles des installations dans 2 minutes. Là. Arions, Fox, bravo novembre, je Fox, je décolle en direction du sud. Va se croiser. Alors. Alors, je décolle en direction du sud, ouais. C'est le terrain qu'on voit là, comme ça là. Donc c'est la 18 en service, si je comprends bien. Je vois la poussière, mais je vois pas l'avion.
Ouais, salut, je le vois, ouais. Valréas, Juliette Fusque Alpha, milieu de vent arrière 02. Bon, on va aller directement sur... Ouais. Voilà, on va surveiller l'avion là-bas. Je le vois pas. Ah, il vient de décoller. Et à nos 1h. Ah si, si, il y a un visuel. Ouais, ouais, il est juste là, il va passer au-dessus de l'eau. Ouais. Ah, la bombe. Ouais. Rion, c'est de Fox Bravo Victor, on se reporte au début de vent arrière, piste 18 à Rion, c'est visuel sur l'avion au décollage. Ah oui, ça y est, on passe vertical. Voilà. Ah voilà, je le vois. Bon. Valréas, Juliette Fiscal, par base 20. Ouais. Ah, joli, hein. Ouais, là, je me dis, il va se payer la montagne. Ben oui, je me disais que d'accord. Ok. Ah, il y a un léger vent du sud. Donc la base, c'est vers le cirque, ça. Je te dirai à quel moment tourner. Voilà, 1400 pieds. Et voilà le pont, ouais. Le terrain de Aubenas là-bas. Oui, ça y est, je le vois, ouais. Voilà, comme si tu faisais une finale à Aubenas. D'accord. Enseignement Fox Victor Papa, vertical de l'installation. Alors on est à 1900, on va se remettre. Débute un exercice dans l'accélérement pour la 02 ULM. Ah, tu aurais dû un petit peu ta vitesse pour sortir un cran de volée. Voilà, ok, début de vent arrière là. Un cran de volée. Fox Bravo Victor en vent arrière, piste 18, arrivons ce port encore plus. 2000 en tour à peu près, voilà. Ok. Là, je vais ton compensateur. Ah. 400, ok, hop là, un peu de vitesse. Voilà, ça se porte pas de l'arc. Terrain, ça y est vu. Voilà, je poursuis encore en 42. Et il est chatouilleux, hein. Ouais, 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 c'est... Très chatouilleux même. Ok, le cirque. Hein. Voilà, on commence à tourner là. Tu réduis vers... Ouais, non, c'est bon, tu as 1500 tours, ça va. Perpendiculaire, c'est à peu près ça. Genre on rentre dans la falaise. Oui, un petit peu plus à gauche. Plus à gauche, ok. 140. Garde 140. Rion, de Fox, Bravo Victor, en étape de base de piste 18, Rion, c'est pour un complet. On est un petit peu bas là, je sais pas les QNH s'ils sont bien bons. Voilà, garde cette altitude là. On rectifiera à l'approche. Hein, voilà. Ah oui, c'est bien dans l'alignement. Voilà, tu peux commencer ton virage, n'incline pas trop, attention, ta vitesse. Ouais. 30. Ouais. Voilà, tu passes au milieu du pont là. D'accord. Voilà, tu sors ton deuxième cran de volée. Deux crans de volée. Ah, on est pas mal là. Et on vise la partie. On vise le début de la piste. Ouais. Donc là, 130, on garde 130. Ouais, garde 130. Ouais. Rion, ce Fox, Bravo Victor, on est en finale de piste 18 à Rion, ce point complet. Voilà, garde un peu de gaz, on est un peu bas. Voilà, c'est bon comme ça.
sur 120. Oui, tu as le temps. Ah ouais, dis donc, ils sont pas loin les arbres. Ouais, voilà, tu réduis tout. On réduit tout. Laisse descendre. Laisse descendre. On tire gentiment. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on se mette après quand même. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on maintient en arrière. Garde bien le manche en arrière. Ouais. Notre timing est pas mauvais. Ouais. Ah. Allez, je te rends les commandes. Ouais. Eh, 57-58. Ouais, pas mal. Hein. Pas mal du tout, moi. C'est pas mal du tout. Allez. Alors, on rentre les volets. Bravo Victor, la piste est dégagée. On rentre les volets. Celui qui est parti là tout à l'heure, c'est celui qui était garé à droite là. Ouais, ouais, je pense, ouais. Ah, il était rouge. Ouais, ouais. Alors, on se fait que bravo Victor au parking, je quitte la fréquence. Bon, ben, bye bye, hein.